rentrer dans un baquet de Formule 1 et puis tester un véritable circuit de Grand Prix automobile. C'est parti. We start commencing in 5, 4, 3, 2. Ça n'a rien à voir déjà. We start successful. L'installation et tout, c'est... Ah oui, on est véritablement allongé là. On sent qu'on rentre dans le domaine de la vitesse maintenant. On dit stop au niveau des pédales. Ouais, bah là c'est très bien. C'est cool. Très bien. Hop. Alors vous désirez jouer en auto ou en manuel? En manuel. En manuel, ça. En manuel. Alors on va se rapprocher, on va regarder un petit peu les commandes peut-être rapidement. Ici, là. Voilà ce qu'il y a. Quasiment dans une voiture de Formule 1, hein, finalement. Ouais, le passage de vitesse se fait à droite, c'est exactement. Bien ça. Et pour augmenter, voilà, et rétrograder sur la gauche, voyez, voilà. C'est extrêmement simple. Allez, c'est parti pour moi. Alors là, c'est la sortie des stands pour moi. Différent de la rallye, du rallye, pardon. Les passages de vitesse sont beaucoup plus nerveux, l'accélération est évidemment infiniment puissante que ce qu'on trouve dans une voiture classique, ou même un rallye. Première, deuxième, troisième, ça va très très vite. Le freinage est assez puissant. Quatrième, troisième, seconde, première, hop, passage de chicane, réaccélération, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, on est déjà à plus de 280, 290, on rétrograde, quatrième, troisième, seconde, la chicane, on repart. Alors, je suis vraiment secoué là dans la Formule 1. Avec le retour de force, avec le basculement du baquet. Successful. We start successful.